Bonjour à tous. Je vais vous parler un peu de Clippy, qui est un linter pour Rust. Je sais pas si vous étiez venu hier à la présentation que j'ai fait un peu sur Rust, mais c'est pas vraiment nécessaire d'être venu, c'est pas grave. Très bien. Une minute. Ah bien. Il a frisé. Un peu autrement. Désolé. Voilà, celui-là il marche. Donc, je m'appelle Martin Carton, sur GitHub, je m'appelle M Carton. Je contribue à Clippy depuis 2 ans maintenant. Donc, déjà, est-ce que vous savez tous ce qu'est un linter? Oui. Clippy, c'est maintenant le linter officiel de Rust. Il a été intégré à la Rust Nursery cette année. Donc avant c'était déjà plus ou moins le linter officiel de facto, mais maintenant c'est vraiment officiel, officiellement officiel. Voilà. Il est hébergé sur GitHub. Et évidemment, c'est un projet open source. On accepte les contributeurs. On est apparemment on ne mord pas. Si vous voulez venir contribuer. C'était un bon projet pour démarrer. On a pas mal de contributeurs, presque 150. On est en gros 5 collaborateurs principaux. Clippy, ça commence à devenir un beau projet. 40 000 lignes de code, plus de 3 000 commits. On a maintenant plus de 200 lints, donc plus de 200 warnings ou erreurs ajoutées aux erreurs et aux warnings. Il y a en Rust standard. Et on est à la version actuellement 0.0.172. Ça peut paraître un peu ridicule comme nom. Je vais revenir là-dessus. Pourquoi? Mais pour la petite anecdote, l'année dernière j'étais déjà venu au Capitol Building pour une présentation dessus et j'avais publié la veille la version 0.0.100. Donc là, cette année, on a fait 72 nouvelles versions. Donc c'est un projet bien actif quand même. Voilà. Donc, on peut se demander quel est l'intérêt de rajouter un linter à Rust dont le motto est déjà Safety, Speed and Concurrency. Donc, la partie safety en soi pourrait porter à croire qu'on n'a pas besoin de plus que ce qui est par défaut, vu que c'est le motto du langage. Mais évidemment, bon, le langage est bon, mais il y a toujours moyen de l'améliorer. Clippy a des lints par exemple pour vérifier le code unsafe. Alors unsafe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mot-clé qui aurait pu être renommé I know what I'm doing. Rust par défaut c'est un langage safe, il vous permettra pas de faire n'importe quoi, mais pour les rares occasions où vraiment vous savez ce que vous faites, où vraiment vous êtes plus intelligent que le compilateur, il y a un mot-clé qui vous permet de relaxer un peu certaines des règles que Rust possède, et ce mot-clé unsafe. Malheureusement, toutes ces règles qui vont vous empêcher de faire n'importe quoi d'habitude sautent si vous utilisez ce mot-clé-là. Clippy vous permet quand même de vérifier un peu le code que vous mettez là-dedans, de vérifier que vraiment vous ne faites pas de bêtises. Clippy aussi propose quelques lignes pour
si jamais vous faites quelque chose qui est certes valide, qui marche très bien, mais qui n'est pas très performant. Il y aurait une meilleure alternative, vous faites quelque chose de par exemple pas très idiomatique aussi. Clippy va vous proposer de changer votre code pour être plus performant, pour être plus idiomatique. Ce qui ne rentre pas dans le cadre des warnings officiels de Rust d'après l'équipe. Ensuite, Clippy interdit aussi certains patterns qui sont pas idiomatiques. Encore une fois, c'est l'équipe qui développe Rust considère que c'est pas au compilateur de vous interdire de faire ça. Si le compilateur le permet, même si ça n'est pas très idiomatique, il n'y a pas de raison d'interdire. Nous, on rajoute quelques warnings optionnels, du coup, qui permettent à une équipe qui voudrait vraiment rester dans quelque chose d'un peu plus idiomatique d'interdire ces choses-là. Donc, quelques exemples de choses que Clippy permet d'éviter. Quelques erreurs humaines. Alors oui, en général, les problèmes viennent des humains. Le langage est bon, mais pas nous. Donc quelques exemples de ce que Clippy peut éviter. Donc le premier, c'est une bête erreur de copier-coller. Vous avez un match et deux des cas, si vous regardez bien, sont identiques. Ils devraient probablement pas l'être au vu du reste, au vu de ce qu'il y a autour. Clippy peut se rendre compte de ça et va vous le dire. Attention, vous avez deux bras à votre match qui sont identiques. Sachant que si vraiment c'était ça que vous vouliez, vous auriez pu les factoriser ensemble. Donc si vous avez écrit ça, c'est très probablement une erreur, Clippy va s'en rendre compte et va vous prévenir. La deuxième erreur, c'est une bête typo. Vous avez écrit égal moins au lieu de moins égal. Égal moins, c'est valide syntaxiquement, c'est la même chose que égal de l'opposé. Mais vu la façon dont vous avez écrit vos espaces, vu la façon dont c'est écrit, ça ressemble à... vous auriez probablement voulu écrire moins égal. Du coup, Clippy, là aussi, va s'en rendre compte, va vous prévenir, et si jamais c'était vraiment ça que vous vouliez, bah, ce sera probablement plus intelligent de mettre l'espace avant le moins, plutôt que après le moins, ce qui est en général la façon dont on peut mettre les choses, et là, ça rend un peu les choses plus claires, et dans ce cas-là, Clippy ne va plus vous dire qu'il y a un problème. Et le troisième exemple, c'est l'exemple un peu le plus compliqué, c'est une erreur de logique, donc si jamais vous demandez quel est le problème ici, A et B ou A, c'est exactement la même chose de manière logique que juste A. Parce que si A est faux, aucune des deux conditions ne peuvent être vraies de toute manière. Donc, et si A est vrai, la deuxième condition fait que l'ensemble est vrai. Donc cette condition ici est exactement la même chose que if A. Clippy peut s'en rendre compte et va s'en rendre compte et va vous le dire. Alors, en l'occurrence, il va juste vous dire qu'il y a un bug de logique, il va pas vous dire exactement d'où il vient parce que c'est assez simple de se rendre compte qu'il y a un bug de logique, c'est beaucoup plus compliqué à l'expliquer à un humain. Mais en général, vous allez sur Wolfram Alpha, vous tapez la formule logique, et lui par contre il est très bon pour vous expliquer qu'est-ce qui est bizarre dans votre formule. Donc Clippy va vous signaler ça, en l'occurrence soit vous avez fait une typo, soit, donc, et là vous avez vraiment un bug, soit c'était vraiment volontaire, mais en fait dans votre tête le cas était vraiment très tordu, et finalement bah, il se simplifie bien. Donc, autant, si ça se simplifie bien, l'écrire de manière simplifiée dans le code. Ce sont toutes des choses que Clippy permet de trouver. Évidemment, toutes ces choses-là, le langage ne les signale pas, parce que ce sont tous des cas d'utilisation plus ou moins légitimes. Ce sont juste des cas assez bizarres. Et c'est l'un des points de Clippy. Clippy va souvent vous dire que quelque chose ne va pas, même si ça pourrait finalement aller. Clippy a beaucoup plus de faux positifs dans ses warnings que les warnings standards, qui sont vraiment conçus pour ne jamais avoir le moindre faux positif. Si un warning standard a le moindre faux positif, l'équipe standard de Rust considère ça comme un bug dans le warning. Nous, on est plutôt relax, en général, on considère que dans des cas comme ça, mieux vaut limiter parce que c'est très probablement un problème, et dans les rares cas où c'est pas un problème, où c'était vraiment ça que vous vouliez écrire, vous pouvez juste ignorer le warning à cet endroit-là. C'est plutôt notre philosophie à nous, on préfère faire ça comme ça. Un autre problème avec Rust, c'est ceci. Ceci, ça va compiler sans aucun warning. Par contre, il y a un énorme bug dans ce petit code tout innocent. Alors, je vous ai dit, le mot-clé unsafe, ça signifie « I know what I'm doing », c'est...
Le problème, c'est que bon, là, ce qu'il y a dans le unsafe, ça paraît pas très méchant. On appelle juste une fonction qui vient probablement du C, par exemple, avec un paramètre. Bon, où est le bug là-dedans? En fait, le bug, il vient pas du unsafe. Il n'est pas dans le unsafe en lui-même, il est juste la ligne au-dessus. Et ça, quand ce problème-là a été découvert, c'est un peu la panique chez l'équipe de Rust. Ils se sont dit, merde, on a fait une API qui est vraiment pas sûre à utiliser, c'est vraiment pas terrible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je pense, dans les quelques heures après que quelqu'un ait reporté ce problème-là sur le forum de Rust, le forum officiel, quelqu'un a ouvert une issue sur Clippy pour qu'on crée une lint à ce sujet-là, et dans les deux jours, on avait la lint en question. Donc là, le problème, c'est qu'on crée une C-string, donc c'est une chaîne de caractères qui est possible de passer à une API C. Le unwrap, c'est juste pour signaler qu'on se fiche des erreurs. En l'occurrence, la seule erreur possible, ce serait qu'il y ait des octets nuls dans la chaîne, ce qui n'est pas le cas, donc on peut s'en ficher. Et ensuite, on appelle asPointer qui récupère le pointeur interne dans cette C-string. Et c'est là qu'est le problème, et c'est là que Clippy va vous le signaler. Clippy va vous dire ça là-dessus. Je vais vous dire, attention, vous êtes en train de récupérer le pointeur interne d'une C-string qui est temporaire. Oui, cette C-string, elle est juste créée sur cette ligne-là, la ligne 4 en l'occurrence, et après elle n'existe plus, vous ne l'avez jamais affectée dans une variable, donc elle sera détruite à la fin de cette ligne. Le problème, c'est que vous avez récupéré le pointeur qui est dans cette C-string. Alors ça, selon les règles de Rust, c'est safe, parce que récupérer un pointeur, même invalide, du moment que vous n'utilisez pas ce pointeur, vous ne pouvez pas avoir de problème. Donc cette première ligne-là, elle est parfaitement safe selon toutes les règles de Rust. Par contre, la deuxième ligne, la ligne à l'intérieur d'une safe, là, sachant que le pointeur n'est pas valide, cette ligne-là sera vraiment une safe. Et comme le CSTR pointe vers une zone de la mémoire qui a été allouée temporairement et qui a déjà été désallouée depuis, ça peut causer de graves problèmes. Et Clippy va vous dire exactement ça, et il va vous suggérer, donc il va vous dire que le pointeur est invalide en dehors de cette expression, et il va vous suggérer d'affecter ces strings dans une variable afin d'étendre sa durée de vie un peu plus longtemps. Et ensuite, on a une page d'aide pour chacune de nos lint pour expliquer un peu plus en détail que dans les messages d'erreur du compilateur, afin d'aider un peu les utilisateurs. Donc, le premier code qui n'est pas bon est le deuxième code tel que suggéré par Clippy. Celui-là, il est bon. La variable, elle a une durée de vie plus longue. En l'occurrence, elle est suffisamment longue pour l'appel à la fonction externe. Et dans ce cas-là, c'est safe. Lorsque ce problème a été découvert sur Clippy, sur Rust, c'était un peu la panique. Ils se sont dit, merde, on a fait une API qui, certes, a l'air safe, mais est très facile de mal utiliser. Du coup, ils se sont un peu tâtés. Est-ce qu'on supprime cette fonction qui est un peu dangereuse à utiliser? Est-ce qu'on la remplace par quelque chose d'autre? Et aujourd'hui, si vous allez sur la page de documentation de cette fonction, il y a un énorme warning pour ça. Et il y avait une RFC qui proposait de supprimer cette fonction et la remplacer par quelque chose de plus safe. Malheureusement, cette fonction elle était déjà très utilisée, donc la supprimer, c'était assez compliqué. Et c'est là que Clippy vient en aide. Vous permet de savoir ce genre de choses, ce que le compilateur ne va pas vous signaler. Un dernier exemple donc, de lint, c'est les problèmes de performance. Je vous dis, parfois vous avez du code qui est parfaitement valide, mais qui n'est pas tout à fait performant. Donc là, c'est vraiment un exemple très simple. Vous appelez une fonction qui prend une simple slice, mais avec un tableau alloué dynamiquement. C'est complètement pas nécessaire, vous faites une allocation dynamique pour rien. Donc Clippy va vous le signaler et va même vous suggérer le code à remplacer. En l'occurrence, la même chose, mais sans le VEC, sans l'allocation dynamique. Voilà. Donc, comment Clippy fonctionne? Donc Clippy, à l'heure actuelle, c'est un plugin du compilateur, qui signifie qu'il nécessite une version nightly de Rust. C'est un peu embêtant, pour vous l'avouer. On essaie de fixer ça. Mais malheureusement, on utilise plein d'API internes de Rust pour nous simplifier la vie. Bon, c'est pas un énorme problème. C'est quand même très simple à installer. Il suffit juste, si vous utilisez Rustup, ce
que vous devriez probablement utiliser si vous utilisez Rust, l'installer via une API explicitement, et ensuite l'utiliser tout simplement. Pour utiliser Clippy, pour avoir les warnings de Clippy, si vous vouliez utiliser Cargo Build précédemment pour compiler votre projet, eh bien vous utiliseriez à la place Cargo Clippy. Ça ne compile pas, ça se contente de vérifier votre code, mais ça s'utilise exactement de la même façon que Cargo Build. Une autre façon de faire, ce serait d'utiliser un plugin optionnel, donc il suffirait de rajouter ces deux lignes dans votre fichier principal et ensuite utiliser Cargo Build-Futures-Clippy. C'est beaucoup moins pratique à utiliser, comme vous pouvez le voir. Par contre, ça a un avantage, c'est que si vous voulez utiliser dans un système de build, par exemple avec Travis, ça permet de compiler et de linter en même temps, en une seule passe. Alors que le premier, si vous voudriez compiler pour vérifier si ça compile pour lancer vos tests, par exemple dans Travis, mais aussi vérifier si vous n'avez aucun problème, si vous n'avez pas Clippy, vous devriez compiler deux fois au final. Cette deuxième façon, qui est moins pratique pour un humain, est plus pratique dans Travis parce qu'elle permet de faire tout en une fois. Il y a aussi une utilisation en ligne. Donc, il y a Integer32, c'est une boîte qui fait du Rust. Ils sont très sympathiques. Ils hébergent un playground, c'est une page sur laquelle vous pouvez écrire du Rust, le compiler, l'exécuter. Et ils ont notamment un petit bouton Clippy qui lance Clippy sur votre code et qui vous dit si vous avez des problèmes, ce que le playground officiel ne possède pas. Clippy est configurable, certaines lignes ont certains paramètres que vous voudriez changer. Par exemple, on a une ligne qui, cette ligne-là, qui interdit les mots-clés placeholder. Par exemple, le mot fou, si vous avez ça dans un test, c'est pas trop grave en général. Si vous avez ça dans du vrai code en production, ça craint un peu. C'est probablement que vous aviez voulu faire un truc vite fait temporaire que vous avez laissé et qu'il faudrait probablement renommer de manière un peu plus sérieuse pour l'avenir du projet. Donc, Clippy a une liste de mots qui sont blacklistés que vous interdit d'utiliser. Cette liste est en anglais puisque c'est le langage officiel que c'est le langage dans lequel vous devriez faire. Mais cette liste, elle est extensible. Si par exemple vous voulez ajouter un mot que vous savez que votre équipe a tendance à utiliser, mais qui n'est pas foobar, base, etc., vous pouvez l'ajouter. Si vous voulez ajouter toto, tata, etc., vous pouvez aussi l'ajouter. Ça fait partie des choses qui sont configurables. Aussi, certaines lignes ont un seuil à partir duquel elles vont limiter ou non. Ce seuil est souvent configurable grâce à ça. Donc c'est juste un fichier à mettre à la racine de votre projet. C'est un fichier toml. Si vous avez fait un peu de Rust, vous savez ce que c'est. C'est le même fichier, le même format de fichier que Cargo utilise. Et évidemment, vous pouvez aussi ignorer donc hello une ligne si jamais vous avez un faux positif, par exemple, ou si jamais vous avez une ligne que vous savez que vous avez ce problème-là, mais vous vous en foutez un peu pour l'instant, vous considérez que c'est pas vraiment un problème, vous pouvez explicitement l'ignorer. Et de la même façon, si Clippy vous signale un warning, mais que vous voudriez plutôt que ce soit une hard error, que votre projet ne puisse pas compiler si il y a ça, vous pouvez deny. Donc rapidement, comment fonctionne Clippy? Donc Clippy utilise l'API interne de Rust, et c'est pour ça qu'on en a la version 0.0.172, parce que cette API interne elle change tous les 5 jours en moyenne. Et du coup, à chaque fois que quelque chose dans cette API change, ça casse Clippy et on doit corriger. Du coup, c'est souvent un truc assez trivial, une fonction qui change de nom, quelque chose comme ça. Mais du coup, on doit corriger Clippy et republier une nouvelle version. Et le fait qu'on utilise cette API install, c'est aussi pour ça qu'on est toujours à la version 0.0. Point quelque chose. On n'a pas envie de passer à 1.0. Point quelque chose tant qu'on utilise ces API install. Parce que via SEMver, ça implique une certaine compatibilité, et du moment qu'on utilise des API install comme celle-là, 1.0 c'est pas très SEMver compatible. Du coup, pour l'instant, on garde ce système de 0.0 pour un nombre toujours plus grand. On essaie de changer ça, on essaie de faire bouger les choses pour avoir une release officielle de Rust.
Et pourquoi on utilise toutes ces API internes plutôt que de réécrire des choses nous-mêmes et ne plus dépendre de ces choses qui cassent tous les 5 jours? Tout simplement parce que Rust nous expose quand même pas mal de choses qui nous simplifient énormément notre boulot. Rust nous permet de parser votre code, il nous permet de construire la ST, il nous permet de résoudre les noms. Donc si vous avez une fonction foo appelée quelque part, il vous permet de savoir, ah bah cette fonction foo là, en fait, ça correspond à cette fonction foo qui est définie dans tel fichier, qui a tel type, etc. Ça, c'est quelque chose qui est quand même pas trivial à faire. Si on n'avait pas tous ces API internes pour le faire pour nous, ça nous prendrait beaucoup plus de temps. Donc, c'est pour ça qu'on utilise ça. Malheureusement, ça signifie qu'on doit utiliser Nightly, ça signifie qu'on doit republier une nouvelle version tous les 5 jours parce que c'est cassé. Donc, dans notre roadmap, on a l'item le plus important de notre roadmap, ce serait justement ne plus nécessiter de Nightly. Donc ça, on collabore avec les développeurs de Rust pour faire bouger les choses. Donc c'est pour ça qu'on est devenu un projet officiel, on fait partie de la nursery officielle maintenant. Et on essaie de trouver une solution pour que Clippy soit publié de manière officielle en même temps que Rust C, ce qui nous permettrait de sortir une version de Clippy uniquement toutes les 6 semaines, au lieu de tous les 5 jours, donc c'est-à-dire en même temps que Rust C. Donc on se fixerait à une version de Rust C release et vous utiliseriez Clippy avec la version stable de Rust C que vous utiliseriez normalement plutôt qu'avec une version Nightly. On aimerait bien aussi faire un peu le ménage dans nos lints. On sait très bien que sur 200 lints, il y a certaines lignes qui sont moins utiles que d'autres et certaines lignes qui sont un peu plus controversées. Les utilisateurs nous reportent parfois que certaines lignes sont agaçantes ou que certaines lignes ont quelques faux positifs. Ça fait partie des choses qu'on doit fixer. C'est pas simple en général de savoir quelles sont les lignes que les utilisateurs apprécient le plus parce que ces lignes-là, ça signifie que les utilisateurs vont rapidement corriger le problème. Et du coup, si vous voulez analyser derrière le code Rust, ces lignes-là n'apparaissent plus, vu qu'elles ont déjà été fixées, vu que les utilisateurs les apprécient. Du coup, comment savoir si une ligne est utile ou non? C'est un problème qui n'est pas simple. Sinon, quelque chose que j'aimerais bien faire aussi, c'est prendre les principales crates sur crates.io et lancer Clippy dessus, regarder quels sont les problèmes, s'il y a des faux positifs, et corriger les vrais positifs, etc. J'ai déjà commencé un peu, bon, ça prend du temps à analyser les résultats. Je l'avais fait sur les 100 crates les plus téléchargés sur crates.io. Ça m'a pris un petit moment à compiler, ça m'a pris beaucoup plus de temps à analyser les résultats. Et voilà. Et évidemment, fixer les bugs, on a quand même pas mal de bugs. En général, ce sont des faux positifs. Donc Clippy reporte un problème là où il n'y a vraiment pas de problème. En général, une lint. On a supposé que quelque chose arriverait dans du code, et en fait il s'avère que on n'a pas supposé assez, on n'a pas été suffisamment strict sur les conditions pour lesquelles la lint signale un problème. Donc toutes ces choses-là, ça fait partie de notre roadmap. Si vous voulez contribuer, Clippy c'est un bon projet si vous aimez les langages, si vous aimez savoir comment fonctionne un compilateur en interne, donc en particulier ici Rust C. C'est aussi un bon projet pour apprendre Rust, parce que on est quand même aussi assez ouvert, on aide beaucoup les nouveaux contributeurs, etc. Et puis c'est un projet que personnellement je trouve très intéressant, très utile. L'impact qu'a Clippy sur tout l'environnement Rust, sur tous les projets dans lesquels on a trouvé des problèmes, c'est quand même très satisfaisant quand vous apprenez qu'un outil sur lequel vous travaillez a permis de trouver un problème sur une crête qui est utilisée par plein de projets, notamment certains gros projets. Et oui, on a besoin de contributeurs, parce qu'on a beaucoup d'issues, donc ça c'est le nombre d'issues ouvertes au cours du temps. Alors, de l'année dernière, parce que j'ai arrêté le service qui permettait de spammer GitHub pour avoir l'information depuis, mais déjà l'année dernière, on avait quand même pas mal d'issues ouvertes, et maintenant on a plus de 500. Alors, parmi les issues, on a quelques bugs qui sont reportés, et on a aussi surtout beaucoup de
feature request, les gens viennent me dire, ah, ce serait bien si Clippy pouvait prévenir ça, ah, ce serait bien si Clippy pouvait me prévenir ça, ah oui, il y a cette ligne qui fait ça, ce serait bien qu'elle fasse aussi ça. Oui, certes, mais ça nous prend du temps, et beaucoup de lint sont assez faciles à écrire finalement. Donc, si vous voulez contribuer, eh bien, il y a plusieurs façons faciles de faire. Donc, l'une des façons, c'est suggérer de nouvelles lint. Hein, après tout, le compteur d'issue qu'on a sur GitHub, bah, il est fait pour augmenter. Il n'est pas prêt de décrémenter d'ici tôt. Donc, voilà. Testez Clippy sur vos crates et si jamais vous trouvez des problèmes, nous les reportez. C'est vraiment quelque chose de très utile que les gens viennent nous reporter les problèmes pour qu'on sache où sont les problèmes, pour qu'on sache les reproduire un peu plus facilement. Un autre moyen d'aider, donc là c'est le niveau supérieur, c'est bah, de venir écrire une lint. Notre GitHub est plutôt bien organisé, en général les lints les issues pardon, sont bien rangées, elles sont bien taguées. Donc on a notamment le label Good Force Issue si jamais vous voulez venir fixer quelque chose et que vous ne connaissez rien à Clippy, ce sont celles-là que vous devriez regarder en premier. Et bon, plus difficile si jamais vraiment ça vous passionne, fixer les bugs. Voilà. Donc si vous avez des questions. Oui, amusing, ouais, c'est. Hein? Oui, on a beaucoup. Oui, donc les labels là, Good First Issue, c'est si vous voulez vraiment commencer faire quelque chose, c'est sur celle-là qu'il faudrait plutôt partir. On a aussi les labels TAST et TMiddle. Alors, ça, c'est le type de lint, donc ça va changer le type d'API qu'on utilise derrière. Parce que Rust, il part de quelque chose de vraiment très haut niveau et au fur et à mesure il descend de niveau le code pour se rapprocher de plus en plus d'un truc machine. Et on a des lints vraiment sur deux de ces niveaux-là, les lignes purement syntaxiques qui sont donc TAST et les lignes TMiddle qui sont un niveau au-dessous. Alors les lignes purement syntaxiques elles sont beaucoup plus simples en général, c'est vraiment juste trouver un pattern de code qui pose problème et écrire une ligne qui match ce pattern et reporte le problème. TMiddle, c'est le niveau au-dessous. En dessous, ça ressemble encore un peu à de l'AST, mais avec certaines structures en moins parce qu'il a déjà commencé à passer un niveau en dessous. Et par contre, TMiddle, il y a tous les types, tous les noms, toutes les constantes ont déjà été résolues. Donc vous pouvez connaître le type d'une variable très facilement, vous pouvez connaître la valeur d'une constante, même si c'est une expression mathématique, etc. Ce que TAST n'a pas, parce que TAST, si vous avez juste une variable foo, il va vous dire, bah, vous avez une variable foo. Mais il va pas dire, ah, cette variable-là, elle a été déclarée, ligne tel machin, avec tel type, etc. C'est vraiment purement syntaxique et un peu moins syntaxique avec un peu plus d'informations. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Et ensuite, on a quelques labels qui sont, par exemple, style ou bug, etc. Enfin, on a vraiment beaucoup de labels, mais ce sont les catégories de problèmes qu'on a, ou de nouvelles lignes qu'on veut faire. C'est un peu le même type. Oui, je vais montrer ça. C'est. Non, c'est un attribut. Alors, les attributs, ça s'accroche soit à une fonction, soit juste devant une fonction, soit devant un module, ou devant un type, ou enfin devant le truc qui cause le problème, ou alors de manière globale, si vous rajoutez un point d'exclamation après le dièse, ça signifie global, et dans ce cas-là, vous le mettez dans votre fichier principal, donc le lib.rs ou le main.rs. Non, le clippy.toml, c'est juste une liste de variables égales valeurs avec les. Par exemple, les seuils à partir desquels certaines lignes vont reporter un problème, etc. Et ces attributs-là, ça se met dans le code, ça permet d'activer ou de désactiver des lignes. C'est tout? Oui. Eh bien, merci d'être venu. Merci.